pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un colisome que j'ai grand mal à vous filmer, je vous l'avouerai, parce qu'il n'y a pas des combats très très intéressants et je tombe toujours contre des teams auto-win comme celle-ci qui est en face et que je n'arrive pas à gagner, donc du coup je vais quand même la présenter même si ça me gaffe parce que je suis pas sûr que je vais pouvoir vous le mettre en ligne et ça me gaffe parce que déjà hier j'ai fait 3 heures de Colisée mais j'ai pas réussi à retirer un. Voilà. Salut à tous, c'est Freeze. Et donc on se retrouve pour un colisome qui me semble être... assez équilibré, déséquilibré, je sais pas, ça dépend les rocks qu'on a de notre côté, mais en face ils ont quand même un joli duo Physalis, donc Kinini Ripsa 199 avec à peine 3373 points de vie, Mioki un Zobal à 4495 points de vie, et Drogo un Yop à 3385 points de vie. Et avec nous, nous avons Iwo, un Sram à 3400 points de vie, Belial un Sacri à 5800 et Subifreeze, le magnifique, le grandiose et Ekaflip multi-éléments. Il n'y a pas beaucoup de Vita dans ce combat. Il n'y a pas beaucoup de Vita. Et même si le bouclier et peut-être les Niripsa qui viennent sauver, je vais devoir venir. Allez, Rox, Rush du moins à l'érosion, parce que sinon les Niripsa il va venir tout soigner. Ça va être super chiant. Et là, le Zobal qui a spoil le. Qui a spoil notre SRAM. C'est assez rigolo. Donc moi je vais aller rush érosion. De toute façon il y a pas de respect. Non, je vais dire de toute façon je risque pas grand chose. Premier colis que je fais donc où je suis 1 sur 2. D'ailleurs là on a un double réflexe cumulé qui fait 90% d'érosion. C'est assez abusé. Je crois qu'on va mettre cette Eniripsa très très vite à un point de vie. Je pense. Du moins j'espère. On verra bien. Oui, donc comme je disais, premier colis sûrement 1 sur 2. Vu que j'ai rajouté ce petit CC qui est assez magique. Donc sur l'édit, et là j'ai l'Eniripsa qui va aller me pousser contre... Non, même pas contre le Doppel, d'accord. Bon, mes résistances qui font quand même très très plaisir. Parce que vous voyez que l'Eniripsa il a beau essayer de me taper, et bien tout simplement, avec mes 30% de résistance, et ben ça fait la diff. Ma Strigide d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, ma Strigide qui a été FM, d'ailleurs je vous invite, hein, c'est la vidéo de samedi dernier, sachant que ce colis va être posté mardi, d'ailleurs c'est la fin des vacances, donc je pense qu'on va revenir sur un rythme de... Et d'ailleurs, là, le Sacri qui attire très très bien l'Eniripsa, c'est assez magique. On va revenir sur un rythme de vidéo assez basique, donc ça veut dire une vidéo tous les deux jours. Parfois, bien sûr, une tous les jours, ou parfois une tous les trois jours, ça dépend. Mais voilà, on va revenir sur un rythme plutôt basique, tout simplement parce que c'est plus les vacances pour tout le monde, même pour moi malheureusement. Donc du coup, je fais des vidéos quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation, quand je ne suis pas fatigué, quand je n'ai pas le nez bouché, quand j'ai encore la force, quand j'en ai envie et quand je le peux. Voilà. Là, vous voyez que j'ai quand même plutôt de motivation. J'ai la motivation, mais je suis très fatigué. Premier jour de reprise, quand même. Premier jour de boulot. Donc, c'est plutôt dur. En Bretagne, en plus, au mois de janvier, 6 janvier, il fait plutôt froid, je vous l'avouerai. Mais bon, on fait avec. Alors, notre petit SRAM, Iwo, qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que là, il nous place un piège répulsif histoire de pousser les Niripsa. Mais nous, limite, on s'en fout en fait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aller mettre de. D'accord, à moins qu'on tape comme ça le Yop et qu'on lui mette très très rush et qu'on arrive à le buter prochain tour et que ça pousse les Niripsa un maximum, je sais pas trop. Ça dépend comment Belial il est chaud. Faudrait pas qu'on s'amuse à avoir une recon de les Niripsa alors qu'on est en train de rush le Yop. Moi, est-ce que je le finis? Non, ça risque pas, je ne pense pas, ça risque d'être très très chaud. En tout cas, on est en train d'attendre Drogo et Physalis. Je crois que le Zobal est en train de bug. Et en espérant que ça soit pas aussi Niripsa qui est en train de bug. Non, vas-y, bug pas. J'ai envie de filmer ce colis. Bug pas, je te dis. Ouh, oui. Ouh, c'est bien Mioko, t'as pas bugué. Non, c'est Mioki, excuse-moi. Mioki, Mioko, ça ressemble à Nuki, ça ressemble à Gnaki. Un plat parfait. Alors là, je me prends des deux bouts. Par contre, lui, il se fait plaisir, quoi. T'as vu? Wesh. Il fait plaisir, il est haut, ça va, les dagassantes qui passent pas, c'est Posey, c'est la base, t'as vu, ici c'est Moret. Alors, une petite roulette, allez, que la roulette saute avec moi. Non, 58, ouh, 58, si, ouh, yeah. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir faire grand chose avec 58. 58, ça permet
Non, j'ai été taclé! Mais t'es sérieux? Oh là 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 là! J'ai pas de chance! Bon, pas grave, de toute façon, on va taper Drogo. Drogo qui ressemble à de la drogue. Et du coup, on va empêcher. Ça serait cool de pouvoir empêcher Physalis de venir soigner. Ici, Physalis ne peut pas venir soigner comme ceci, à moins de me pousser. Donc, ça, c'est plutôt bien. Bon, en tout cas, elle peut lancer la prêve. J'en ai trouvé un, mais je dois déco. À plus demain, on recherchera. Vas-y, donne pause. Je te mets ami d'ISTP. C'est urgent. Je cherche les bandits de Kanya sur Oulette pour les gens qui voudraient savoir. Donc, pour ceux qui trouveraient les bandits de Kanya, et bien tout simplement pour la quête émeraude, et bien je paye 1 million de Kama pour celui qui chercherait parce que ça fait 3 jours que je cherche avec le week-end double XP que j'ai pas pu très profiter. J'aurais pris quand même 200 millions d'XP. Mais tout simplement, et bien j'ai toujours pas trouvé aucun bandit. Donc aujourd'hui, je commence à désespérer à faire toutes les zones de Kanya au moins une fois par jour et en week-end, je les fais 2 fois par jour. Donc, du coup, et bien tout simplement, je décide de mettre une prime sur un bandit de Kanya qui est tout simplement d'1 million. Hein. Je paye une fois que je suis devant le mob, à moins que vous me le voliez, et Belial qui, c'est bon, a pas réussi à finir Drogo. C'est quoi ce bordel? Ça fait chier. Parce que là, c'est le seum, il avait les. Il a pas eu de chance, Belial, il a pas cessé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, Drogo, il va jouer Survivor. 2 fois 18. Ouh, si, si. De toute façon, là, il va se précipiter, il va essayer de faire un gros rush, soit sur moi, soit sur Iwo, soit même sur les deux. C'est moi ou il a vraiment 16 points de vie, 16 PA, parce que sinon on est vraiment dans le caca, genre Belial il va se retrouver, il va se retrouver tout seul face à 3. Ça pourrait être rigolo, mais ça ne l'est pas, parce que Iwo va crever sûrement. Non, Iwo va pas crever, Iwo va crever, Iwo va crever, très bien, bon d'accord, Drogo est pas mort, donc du coup ça nous fait chier. Iwo a déconnecté direct cash. Mioki, il va me faire mal. Il va me mettre dans le mal. J'espère que Belial va sacrifier. Tu sacris. Je vais lui demander. Parce que là, du coup, on est dans le mal. Un colis qui aurait dû être simple va devenir très compliqué. Et si j'ai pas de chance. Putain, j'ai pas de chance! Je suis mort! Maman, j'en ai marre. Comment on peut perdre un colis comme ça? J'ai essayé de vous filmer un Coliseum, donc ce putain de Coliseum sera en ligne sur ma chaîne, car ça me fait chier. Vous voulez des vidéos? Je vais vous en mettre une. Et Belial, du coup, qui essaye de se démerder tout seul, mais c'est pas gagné d'avance pour lui. On va commenter à 1v3. Ça risque d'être très très compliqué. Putain, pourquoi Drogo il est pas mort? C'est à cause de Belial. Belial, je déteste. Et du coup, on va prendre très cher, parce que là, Belial, il va crever. Parce que là, Belial, il a presque plus de points de vie, il va prendre du dopou. Dopou. Et on a Physalis qui va soigner Mioki. Putain, fils de pute. Et Belial, il prend cher. Et Belial, il va pas pouvoir tuer Mioki, ni Drogo. À moins qu'il l'ait puni. Et là, il a la punie, donc il va peut-être tuer Drogo, mais ça fera un 2 vs 3 face à un Nenny, face à un Zobal. Eh bien, c'est perdu d'avance, je crois. Non! Putain! Pourquoi on a fait les noobs comme ça à rester collés? On a raté notre rush. Et à chaque fois, je rate mon rush. Ça me gave. Sincèrement. Je crois que je vais aller me suicider. Oui, je vais aller délaître mon écaflip. Parce qu'il n'y a même pas la punie. C'est surtout que ça va être très très compliqué. Parce que là voilà, il va se faire. Ouh, il atterrit contre le mur. Magnifique.
Ah bah non, mais il se fait tuer, putain, c'était pas au corps à corps. J'en ai marre. En plus, il se fait broc, putain, Belial, tu vas crever. On est en train de se prendre une déculottée. Pourquoi on n'a pas réchelé ni ripsa? Pourquoi, maman? On est des colossales enculés. On fait que perdre. Et là, t'imagines, il se fait humilier par le Zobal, il se fait tuer par le Doppel, il se fait tuer par une Eneripsa. Non! Ah non, tiens, il va pas réussir. Oh yeah! Poum, tchim, poum, poum, tchim. Bonne nouvelle du combat! Oh yeah! Non, allez, s'il te plaît! Il va pas réussir. Ah si, putain! Bon bah, tant pis. Allez! A bientôt dans le métro, à plus dans le bus, tchuss tout le monde, portez-vous bien. Moi je vais, je sais pas, faire quoi.